Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de faire des top 1 en illimité sur Fortnite, qui va vous permettre de faire tous vos défis très facilement et très rapidement, et qui va vous permettre de faire des records de kills incroyables. Donc cette astuce, c'est tout simplement de créer une partie uniquement contre des bots. Et là, actuellement, sur la saison 4, chapitre 5 de Fortnite, il y a une nouvelle méthode qui vous permet de le faire très facilement parce que vous n'avez même pas besoin de deux comptes pour le faire. Vous allez juste ajouter un bot dans votre liste d'amis et jouer avec ce bot. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez appuyer sur option, vous allez aller dans vos listes d'amis et vous allez ajouter des amis qui s'appellent The Real Usobot, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Vous tapez exactement le même pseudo que moi. Ensuite, vous faites rechercher. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement tout en bas de la liste. Parce que si vous allez tout en haut de la liste, c'est possible que les joueurs, enfin les bots, bah, vont déjà être occupés. Donc là, regardez, je vais inviter le bot 99. Donc, il n'y en a que 99 au total. Donc on l'ajoute. Là, on va attendre qu'il nous accepte. Là, on peut voir qu'il nous a accepté. On l'invite dans notre groupe. Et là, on va soit il va nous rejoindre. Ok, là, il nous a rejoint directement parce que justement, je l'ai pris en fin de liste. Donc c'est... Donc voilà, ce bot, il est prêt à nous aider. Mais je vais vous montrer si maintenant vous choisissez un mauvais bot, ce qui va se passer, regardez. Donc on va dire qu'on va choisir, par exemple, un des premiers bots. Hein. Donc on va prendre, je sais pas moi, le... Attendez, on va monter tout en haut de la liste. Voilà. Et on va prendre le premier. Voilà, celui-là. On va l'inviter. Donc déjà, lui, il accepte pas les demandes, donc ça ne va pas. On va prendre le quatrième. Enfin, le troisième. Là, lui, il a accepté, parfait. On va essayer de l'inviter. Donc, inviter dans le groupe. On attend. Bon, celui-là n'a pas l'air de vouloir rejoindre. Donc, c'est pas grave. On va en inviter un autre. Donc, hop. On recherche. On va inviter le 39. Ok. Non, je crois que le 39, je l'ai déjà. Non, j'ai le 32. Alors, on l'invite. On regarde. Et là, regardez. Je l'ai invité. Mais celui-là m'a envoyé un message. Il m'a dit... I am busy, enfin voilà, je suis busy. Invite un autre bot, s'il te plaît, ou alors attends 70 secondes avant de me réinviter. Donc là, ça veut dire que ce bot-là n'est pas disponible actuellement et il nous dit bah, tout simplement d'inviter quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est bien parce qu'il nous prévient. Par contre, le 04, il m'a pas prévenu, donc ça, je savais pas. Parfois, il vous prévient pas, mais voilà, si vous prévient pas et qu'il vous rejoint pas, vous le supprimez directement de la liste d'amis. S'il vous dit qu'il n'est pas disponible, vous le supprimez aussi de la liste d'amis. Voilà, je le supprime. Et là, par contre, le 32 et le 99, c'est des bots que j'ai pris tout en bas de la liste d'ajout. Et ces deux-là bah, m'ont rejoint. Donc, quand il vous rejoint, là, vous les gardez dans votre liste d'amis. Et là, je vais inviter le 99. Et on va voir s'il va me rejoindre. Bon, il m'a rejoint une fois, donc là, peut-être qu'il n'est plus disponible. Ok, il n'a plus l'air d'être disponible, donc peut-être que ça fonctionne qu'une seule fois. Je vais essayer d'inviter le 32. Le 32, je viens de faire une partie avec, on va voir. Ok, celui-là n'accepte pas non plus. C'est pas grave, on va les supprimer tous les deux. Et on va réessayer avec un autre. Donc en fait, la complexité, c'est juste de trouver un bot qui est disponible et qui puisse vous lancer la partie directement. Bon, par chance, moi, je suis tombé sur le premier que j'ai invité, il a accepté direct. Mais voilà, je voulais vous montrer en cas d'échec, qu'est-ce qui se passait. Donc là, je vais inviter le dernier de la liste. Le 57, on va voir si ça fonctionne. Bon là, il m'a pas accepté, donc je passe à celui qui est juste au-dessus, le 02. Celui-là m'a pas accepté non plus, on passe au 92. Ah, celui-là m'a accepté directement, on va voir si je peux l'inviter dans la partie. Inviter dans le groupe. Là, j'ai reçu un message, ok, il n'est pas dispo, c'est pas grave. On va en inviter un autre. J'ai pas beaucoup de chance, donc je suis monté vers la moitié de la liste pour voir si j'aurais plus de chance. Donc là, j'ai invité le 62, invité dans le groupe. Ok, celui-là, il m'a rejoint, parfait. Donc quand il vous a rejoint, vous avez juste à appuyer sur option, enfin sur prêt. Et moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire plus de kills, c'est de jouer en section. Donc vous sélectionnez section et vous mettez prêt. Comme ça, vous allez faire du solo vs section. Donc quand vous allez voir un bot, ça veut dire qu'il sera accompagné de trois autres bots et vous allez pouvoir les tuer tous les quatre, quoi. Donc ça va vous faire des kills et de l'XP en illimité facilement. Donc quand vous avez mis prêt, vous n'avez rien d'autre à faire, juste à attendre que la partie se lance. Le bot en question que vous avez invité,
ne sera pas dans votre partie. C'est totalement normal, il va quitter directement la partie pour pas que prendre de niveau. Et regardez, tout à droite, en haut à droite, vous allez directement monter à 99 joueurs, ce qui vous prouve que vous êtes dans une partie uniquement contre des bots. Parce que vous montez instantanément à 100 joueurs avec le bot. Mais bon, comme lui, il a quitté, ça fait qu'il reste plus que 99 joueurs. Et vous allez voir que ça va rester 99 joueurs fixes jusqu'au lancement, tout simplement. Donc en fait, ce qui est dommage dans cette technique, c'est que vous allez devoir trouver un bot qui est disponible et qui n'est pas utilisé par un autre joueur et qui puisse vous rejoindre et lancer la partie. Ça, c'est un peu ce qui est le plus chiant. Mais ça fonctionne. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. C'est juste qu'il faut avoir la patience de trouver un bot disponible. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête à chercher un bot, vous pouvez vous-même créer un deuxième compte de niveau 1 et vous l'invitez dans votre groupe et ensuite vous lancez la partie. Vous le faites quitter la partie pour pas qu'il prenne de niveau. Comme ça, il est toujours niveau 1 et vous faites ça en illimité. Comme ça, vous pouvez avoir des parties uniquement contre des bots en illimité. Mais voilà, il faut juste avoir un téléphone ou une deuxième console pour pouvoir un deuxième appareil pour pouvoir créer un deuxième compte quoi, et lancer la partie en même temps que votre compte principal. Donc ça, c'est l'astuce que moi j'utilise de base. Mais voilà, si vous avez par exemple deux consoles de disponibles, bah, vous pouvez utiliser un bot, vous ajoutez un ami comme je viens de vous montrer. Alors regardez, je vais vous montrer que vous êtes bien, enfin c'est bien une partie uniquement contre des bots. Hein. Vous allez voir que les bots sont complètement éclatés au sol. Ok, donc regardez là, déjà j'ai un bot devant moi. Il s'est pas tiré. Voilà. Il va mettre 10 ans à me toucher. Après, faites attention parce qu'ils peuvent quand même vous toucher. Hein. Ils peuvent quand même vous tuer, mais si vous vous approchez trop près d'eux, ils ont un meilleur shoot. Là, vous avez vu, il m'a touché. Donc vous n'êtes pas invincible. Hein. C'est juste que ils sont faciles à tuer, mais vous n'êtes pas invincible. Ils peuvent vous tuer. Regardez. Là, c'est le deuxième. Alors, ce qui est bien, c'est que comme j'en ai tué un, bah, les autres vont répliquer. Bon, lui, il a peur de moi, c'est normal. Parce qu'il avait plus de vie. Mais voilà, logiquement, quand vous en tuez un, vous avez les trois autres qui vont répliquer juste à côté. Donc là, il y a le troisième qui est là-haut. Il y a le quatrième. Il ne devrait pas tarder non plus. Ah ben, regardez, le quatrième, il est là-bas. Donc là, directement, vous pouvez déjà faire 4 kills. Et ce qui est bien aussi, c'est que tous vos défis, vous allez pouvoir les réaliser. Donc ça, c'est stylé aussi. Et vous allez pouvoir faire des top 1 en illimité. Après, les top 1 ne sont pas valides pour les couronnes de victoire, par exemple, etc. Il faut vraiment le faire en real game, ça, les couronnes de victoire. Bon, là, j'ai plus de munitions. Je vais essayer de le piocher. Et voilà, j'ai réussi à le piocher. Mais vous avez vu, il me reste plus que 2 HP. Le problème, c'est que quand vous approchez trop des bots, bah forcément, même s'ils ont un mauvais shoot, ils vont vous toucher. Donc voilà, ça c'est un peu l'inconvénient. Vous avez juste à garder un peu vos distances et vous allez pouvoir tous les allumer. Donc voilà pour cette petite méthode qui fonctionne en saison 4, chapitre 5. Mais voilà, si vous voulez une méthode infaillible qui fonctionne à tous les coups, sans devoir ajouter à chaque fois des bots, ce que je vous conseille c'est de faire la méthode avec le deuxième compte. Et si vous voulez, je vous mettrai un lien en description et en commentaire épinglé d'une vidéo qui vous explique exactement comment faire cette méthode à deux comptes. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse.